Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Bonjour Samy Halloun. Bonjour Souria. Dans l'épisode de Cyberespace aujourd'hui, nous allons parler du concours national pour la sélection des meilleures conceptions des systèmes de drones, une initiative qui nous vient tout droit de l'incubateur CRT Innov, qui vise à mettre en compétition différents concepteurs autour de cette technologie qui sert à effectuer toutes sortes de tâches à distance au sein de différents secteurs. Des initiatives qui se multiplient dans le domaine des nouvelles technologies, du numérique, à l'instar de la League of Robotics ou encore la compétition nationale de la robotique. Des événements centrés autour de cette tendance où des passionnés travaillent en solo ou en équipe pour tenter de remporter le premier prix, se distinguer avec une technologie 100% made in Algérie. C'est l'incubateur CRTI Innov, faisant partie du centre de recherche en technologie industrielle, qui est derrière cette initiative pour encourager l'apparition de talents, de compétences capables de fabriquer ce genre de machine qui peut servir à effectuer une myriade de tâches dans plusieurs secteurs. L'agriculture avec une surveillance des différentes cultures ou pour optimiser les ressources, le BTP et tout ce qui est cartographie, l'environnement, mais également pour sauver des vies. L'imagerie thermique équipée sur un drone peut aider dans les missions de recherche et de sauvetage, facilitant grandement la tâche aux équipes d'intervention. Dans le domaine du gaz, de l'énergie également, que cela soit les lignes électriques ou les pipelines, le drone peut inspecter à la fois l'usure et identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques. Et Samy, quels sont les profils qui sont justement recherchés et qui peut participer à ce concours? C'est les chercheurs, les ingénieurs, les étudiants ou les start-upers, les porteurs d'idées innovantes sont intéressés par la compétition jusqu'au 15 mars prochain pour soumettre leurs propositions via la plateforme donc numérique csd2024.crti.dz. Le 5 mai, les publications retenues dans la phase de présélection seront publiées. Et enfin, le 28 et 29 juin, les candidats retenus présenteront leurs propositions devant un comité d'experts. Y a-t-il des thématiques sur lesquelles il faut miser durant ce concours? Alors donc, les thèmes du concours consistent à mettre en œuvre, à innover pour parvenir à trouver les meilleurs composants du drone, soit la structure, la configuration, les systèmes de propulsion, de contrôle ou encore les systèmes de communication et logiciels de planification de mission, voire à tout ce qui a un rapport avec les différents capteurs et des modules additionnels pouvant servir à transporter des poids considérables. Merci beaucoup Samy. Merci à vous Soraya.